parlé des actions prophétiques, n'est-ce pas? Jésus, 12 années, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Et bien, il a dit quoi? Bon, qui parle au nom de tout le monde? Qui va parler au nom de tout le monde? Elle dit, non, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, si je pouvais toucher seulement toucher hein? Ton habit. Si seulement j'ai pu toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Amen. Amen. C'est tout ce qu'elle a dit. Je vois que c'est ça. Elle dit, c'est vous qui marchez Jésus, vous ne savez pas qui est Jésus. Elle dit que la guérison. Il n'y a pas besoin de dire, là, Jésus, et rendez-vous. Quand elle a touché Jésus, elle a pris les bâtons. On a lu Luxe. Une fois, c'est sorti de moi. N'est-ce pas? Jésus, Luxe, mais là, vous dites, que je passe, que j'ai sorti de moi. Et la femme vient dire, c'est moi. Elle dit, mais que ta foi soit sauvée. Ta foi t'a sauvée, femme. Mais regardez, quand vous regardez. Une autre méthode de guérison de Jésus-Christ, ça nous dépasse. C'est quelque chose d'inhabituel. Jean le chapitre 9. Jean chapitre 9. Vous savez, quand les gens ne sont pas habitués aux actions prophétiques, ils critiquent ça. Ils vont prendre ça, ils vont critiquer, ils vont diaboliser. C'est ça, il dit, pourquoi vous-même là? Vous voulez prendre la paix de Dieu là pour coller ça à Satan. Miracle, c'est Satan. Après que les gens maintenant ont peur, vous ne parlez jamais des gens qui font des miracles. Hein? Mais vous attaquez, ah, il est faux, il n'est pas bien, il est... Vous comprenez? Ça, c'est une ruse de Satan. Pour empêcher les gens d'être en contact avec ce qui est vrai. Donc, s'il y a du faux, c'est qu'il y a vrai. Or, le prophète, il est dans les actions prophétiques. The prophet is in prophetical actions. Moi, je n'ai jamais vu un féticheur qui chasse. I have never seen fetishes chasing sorcerers. Qui délivre, hein? Delivers. Qui délivre au nom de Jésus. In Jesus' name. Vous voyez, ma visa? C'est ça le problème. Ayez le discernement, hein? Ceux qui vous blaguent là. Parce que quelqu'un qui. C'est quoi, j'ai dit aux gens? Il y a beaucoup qui aiment bien souvent la politique. Je vais rentrer pour qu'on puisse comprendre. Je vais distraire. Quelqu'un aime bien. Et puis il va à la réunion de RDF. Il dit, bon, FPI, il y a la place de venir FPI. Bon, le sultan, tu l'as. Nyaonté, boy. Nyaonté, boy. Bon, insulté. Amen. On a une réunion de RPI. Il dit, mais à la 5, quand tu sais, hein. Tu comprends? Regardez-nous tous RDR. On ne va pas te frapper. Comment quelqu'un, il lui les féticheurs et puis parle de Jésus. Et puis vous dit de venir vers Jésus. Demandez aux gens qui parlent là. Vous trouvez ça, eux-mêmes ne trouvent pas ça un peu malade. C'est parce que les gens ne savent pas lire la Bible, donc on vous effraie. Satan ne peut pas chasser Satan. C'est pas possible. Un féticheur ne peut pas venir délivrer quelqu'un au nom de Jésus. Ça n'existe même pas. Quand il prononce lui-même la terre. Mais ce nom-là, ce n'est pas tout le monde qui prononce ça. Non, ce nom est trop précieux. Name is really precious. Il y a une dimension d'onction. On peut faire nos amusements, mais délivrant de sorcellerie. Il faut avoir une onction de Dieu. C'est pas santé qui. On peut s'amuser avec vos petits fétiches bizarres, que de bœufs bizarres, des vaches, ou vous plaisanter avec vos colonies. Vous n'avez pas vu féticheur qui vous montre, quand il vous fait rentrer dans les colonies, il vous montre ça. Féticheur ne montre jamais ce qu'il fait. Never show. What is ça, on appelle ça les pratiques mystiques. Quand c'est à la grande lumière comme ça, ce n'est plus du mysticisme. Or, mystique veut dire mystère, caché. Étudiez bien les mots, hein. C'est parce qu'on n'allait pas en profondeur des mots que les gens emploient. Quand on dit mystère, c'est mystère, c'est caché. Or, tout ce qui se passe ici, c'est la vie de tout le monde. Vous voyez comment le sorcier parle. Vous voyez comment on chasse son démon. Il n'y a rien de mystique dedans. Or, les féticheurs vous mettent dans un. Je ne sais pas dans quel couloir vous mettez. Vous cachez dans la chambre. Ton mari est dehors. Je ne sais pas ce qu'il a fait, toi, là-bas. Mais tout ça, il faut dire, c'est des voyous. They are religion. C'est des voyous. They are religion. Tu finis de t'assoyer.
Qui a vu? Personne. Maintenant, voyez. Amen. Donc, il y a les gens, eux, comme ils sont les agents du diable. Eux, ils travaillent pour Satan. Les gens de Dieu, là, ils prennent ça et puis ils veulent attribuer ça à Satan. C'est une simple communication de la part des agents de Satan. C'est pour ça que les agents prophétiques, là, on ne va pas mettre ça là, on ne va pas filmer. C'est vous qui allez voir, on va pas filmer. Vous que les gens prennent ça sur le, pour nous attaquer ça. Amen. Amen. C'est pas mystique, hein. Mais il ne faut pas que les gens interprètent ça très mal. C'est ça qui nous ramène la parole de Dieu. Dans Jean le chapitre 1, lisez. Jean le chapitre 9, le verset 1. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Écoutez, c'est quelque chose d'inhabituel. On dit, après avoir dit cela, Jésus cracha à terre. Et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue. Sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va. Et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava, et s'en retourna, voyant qu'il est back. Comprenez? À un moment donné de la vie de Jésus-Christ, c'est ce qu'on appelle action prophétique. C'est ça, prophétique. Or, la dame qui avait peur de sang, la serpente touchée, elle était guérie. Mais pourquoi cette fois-ci, il crache? C'est pour ça que les actions prophétiques, là, c'est une inspiration qu'on reçoit pour régler un problème bien spécifique. Vous comprenez? C'est lui qui guérison. Il n'a pas besoin de prendre sa salive, mettre dans la boue, saleté comme ça, mettre sur les yeux de l'aveugle. Mais il a fait ça dans la Bible. Jésus a fait. C'est ça qu'il dit aux gens, quand vous ne connaissez pas les choses, taisez-vous. That's why I used to say to people, les gens sont esprits en critique. People like criticizing. Ils n'aident pas les gens, ils sont prêts à critiquer. They are ready to criticize. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est une action prophétique. It's a prophetical action. C'est une inspiration qu'on a reçue. Il a envoyé de l'huile et tout ça. On vous donnera tout à l'heure comment utiliser. Ça va beaucoup vous aider. Amen. Les femmes qui n'avouent pas au boucher, mettez un peu dans l'eau, buvez. Vous avez une période de 7 jours. Vous allez voir que beaucoup de choses vont se régler dans votre ventre. Les femmes qui n'arrivent pas à avoir mari, comme master en célibataire. Master célibataire. Je vous choque pour que vous preniez ça au sérieux. Pour que vous choquez un peu. Quand il master de célibat, vous pommadez avec ça. Pourquoi? Parce que les sorciers, ils ont la seule capacité de vous badigeonner avec des instruments de sorcellerie. Donc il y a le rejet qui fait qu'un homme ne peut pas avoir un regard sur toi. Amen. Mais en même temps, si on en profite, ceux qui ont des maladies mystiques, qui ont des choses qui se déploient dans leur corps, vous pouvez voir ça. Si on a des choses sur le corps, vous pouvez utiliser. Amen. Pardonnez-nous les noirs là. On n'est pas petit. Parce qu'on dit petit travail. Non, lui fait beaucoup de travail. On fait comme chinois. Chinois dit petit argent, petit travail. Ça fait beaucoup de travail. Amen. Voilà. On va donner petit. C'est petit. Ça fait tout. Amen. Sérum que vous voyez là. Injection la pupille là. C'est petit qui est dans là. Quand tu piques, ça te guérit. C'est comme ça. C'est petit. Sinon, c'est pas un saut qu'on met dans nos corps. Le lieu du voir, un médecin prend un saut d'eau pour être dépité, c'est un sorcier. Il faut te chercher. Ce qui va te soigner, là, c'est petit comme ça.
Voilà, donc voyez ça comme ça. Vous voyez ça comme petit. C'est pas sodo, vous dites non, sodo. Pardonnez. Yo, yo, Kono. Vous allez les prendre pour bélier. Vous nous fatiguez tout de suite. Je connais, on connaît, on a déjà distribué ici, donc on vous connaît. Je vous demande pardon. Amen. Amen. Soyez sages. Amen. 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 Amen.